Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster. On est toujours avec le Cygne Noir et son équipe des Jeux du Cygne. On commence à dépiler quelques quêtes. On a notre nouveau futur capitaine qui va se mettre au travail dès qu'elle se sera remise, c'est-à-dire incessamment sous peu. Et c'est parti. On va les faire partir avec un petit échantillon de Moonshine. Ça pourra servir. Et en avant, c'est parti. Ok, on tombe directement sur d'autres flics et une personne intéressée par le business. Très bien, on va prendre nos deux points pour aller par là-bas puis aller explorer ce petit truc. Ah bah ici, on vient juste de prendre notre enveloppe et on en a une nouvelle, donc on va pas se gêner. Quelqu'un aimerait vous faire une offre. On va aller voir ça. On va aller voir ça avec le Cygne directement. Ah, et on a rencontré du coup une nouvelle personne. Ah, c'est eux qui se tapent dessus depuis tout à l'heure. Ah, c'est parfait ça. Ils se mettent des tatanes. Alors, je sais que vous fabriquez de la cortinanale. Vous savez sans doute que les clients ont envie de dire de variété. 285 pour 25 pots de moonshine. Moi, non. Non, c'est pas hyper intéressant, on va pas se mentir. Par contre, je me demande si toi, je vais pas te filer un pick-up en fait. Je vais peut-être faire ça. Je pense que je vais faire ça. Là, on va relancer la suite de l'avancée. On va essayer d'aller trouver quelqu'un de pertinent pour ça. Toi, tu vas là. Après, tu vas revenir par ici. Tu vas plutôt partir par là. Et toi du coup, toc, tu me déposes tout ce que t'as, et on va te filer le pick-up plutôt. Bon, il est pas hyper en hyper bon état, mais on le réparera s'il y a besoin. On va reprendre notre équipement, le petit pistolet, nos échantillons, un petit peu de thunes. Histoire d'avoir de quoi nourrir. Ah, là-bas il y a une autre petite truc, on va y aller. Ici déjà. Toi. J'ai été trop loin, j'ai été trop loin. Toi. On prend ça. Ensuite. On va agrandir par ici pour 15. Pff, tu me coûtes cher, hein. Franchement, tu me coûtes cher. Mais bon, faut ce qu'il faut. Et toi du coup, si on voulait éventuellement... ouais... J'ai pas refait de faveur ici. Putain la vache. Ah ok, il y a peut-être moyen de rebondir par là. Ah, lui, il y a moyen qu'on ait tué quelqu'un qui l'intéressait. Ouais, en gros, notre seul point d'entrée, ce serait la bonne femme de la gare. Allons-y. Oh, elle a un bâtiment d'ailleurs. D'abord, on veut cette personne. Toc. Voilà. Et donc, du coup, toi. On va aller mettre un petit. Alors, attends, il est où ce truc? Mais où est-ce qu'il est ce bâtiment? Ah, il y a une rue là, bordel, j'avais pas vu. Tiens, bah pendant qu'on s'arrête là, on va prendre la petite enveloppe qui va bien. Bon, faudrait qu'on aille voir l'offre aussi. Ici, un petit coup de main pour lui. S'il te plaît, merci. Et après... Toi, cette personne, voilà. Et donc, maintenant que ça c'est fait, c'est parti, une petite extorsion.
Et un petit peu de sous qui rentre. Et du coup, on va aller voir cette sympathique personne. Qu'est-ce qu'elle nous veut ? Si c'est pas trop tard. Toi, du coup, t'es rendu là. Ok. T'explores. Ah la vache, elle a pas beaucoup de points de mouvement. Il va falloir gagner des niveaux, ma fille. Hein. Ah merde, c'était où? Sérieux? Comment ça se fait? Qui a fait une descente là? L'âtre, ils ont arrêté Ruby. Ah non, putain, c'est lui qui a fait une descente là, là. Ah, il va falloir qu'on aille le travailler lui aussi. Fuck. Alors ici, plus de points de déplacement. Bon, on a perdu un petit peu de sous et du moonshine, ça fait chier, mais bon, ben, c'est comme ça, hein, malheureusement. Toi, qu'est-ce que tu nous proposes? 305 pour recevoir 62 bières. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais plutôt non. Ok, faut qu'on essaie de corrompre celui-là du coup aussi. 3 corruptions, ça peut piquer. Bon, il statane, faut garder ça en tête. Alors là, il y a moyen, ok, il y a moyen qu'on puisse éventuellement faire quelque chose. Le vrai problème, c'est surtout la thune, hein, on va pas se mentir. Ouais. Parle-nous de lui. Ça en a été voir, ok, parfait. On a que 200 sur nous, c'est trop juste. Il nous faut plus que ça. On peut se permettre de sortir 400 balles. Allez. J'espère que ça suffise. ...338, parfait. Allez hop, c'est parti. Ça c'est fait. Ici, lui il a l'air costaud, hein, parce que le fils Bell n'arrête pas de venir lui mettre sur la tronche, mais il repart toujours la queue entre les jambes. On va aller voir ce qu'elle nous propose comme bâtiment. Je pense que c'est le même. Ouais, c'est ça, c'est le truc de free. Ok, donc éventuellement on pourrait passer par elle si on voulait. Mais là, on va dire que c'est pas trop la thématique. Hein. Il va falloir qu'on se calme sur les sous. Ok, il y a un QG politique ici. Très bien. Allez. Explorer cette rue après. Un billard. Intéressant. Tiens d'ailleurs une cafétéria, ouais mais c'est un peu loin, ça m'étonnerait qu'ils nous vendent grand chose. Qui c'est qui a des faveurs ici? Il y a un truc de faveur là. Ah non, ça doit être parce qu'on le corrompt. Que c'est marqué comme ça. Faudrait qu'on s'agrandisse un petit peu plus hein. On est à 11 pour l'instant. Lui il pourrait s'agrandir encore, mais je crois que c'est un truc de merde, genre là, là. Un truc qui nous sert vraiment à rien. Du coup, je suis pas bien convaincu que ce soit intéressant. Toi, tu irais bien le poirier dans le dos là?
Ça pourrait être une occasion, ouais. On pourrait aller se permettre un petit coup de pistolet de poche discretos, surtout que maintenant on corrompt lui là. Et en plus, je crois qu'ici, ouais, il y a quelqu'un qui pourrait nous acheter du moonshine, donc ce serait pas mal de libérer ce coin en fait. En attendant, on va aller explorer un peu. Lui, il nous vend du sirop de malt, c'est bon à savoir. Les affaires vont bien pour cet déplacement qui vend des petits paquets à la porte de derrière, dans des petites bouteilles foncées sans étiquette. J'aime. Quoi? On n'a pas assez de thunes dans notre bâtiment là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, on a suffisamment, c'est juste, voilà, pendant un tour peut-être. Ruby, elle a gardé un petit peu de sous. C'est comme ça, c'est pas grave. Donc là, il se soigne. On va attendre que, éventuellement, il retourne ce castagner. Et je pense qu'on va pouvoir, faire quelque chose. Ah oui, elle a pas de salaire. Bah, écoute, elle a pas de salaire. Elle peut au moins explorer quand elle a pas de salaire. Et donc je t'ai pas corrompu toi? Tu fais quand même des descentes mais tu arrêtes pas mes gens, c'est ça? Ok, ce commerce là est plein et du coup on pourrait peut-être éventuellement trouver moyen avec cette personne de faire quelque chose. C'est pas évident. Est-ce que eux... Ah, ils sont de nouveau en train de se mettre sur la tronche là. Est-ce qu'on peut discuter? Parfait, on aurait besoin d'un petit coup de main juste avant de la tuer là, de le finir on va dire. Ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien que ce soit avec elle. Merci. On va aller laisser ce castagner, on viendra ramasser les morceaux. Et là, on va choper une petite enveloppe. Et toi, tu connais des gens qui seraient prêts à acheter du moonshine? Ça, c'est très très bon ça. Encore un petit truc à rajouter dans notre dépense, en plus c'est sur le chemin. On rajoute une étape. Hop. Vendre du moonshine. Ici. Bah tout ce que tu peux. Du coup tu vas en prendre un petit peu plus. Voilà, 90. Par contre faut qu'on le monte après avoir été... Et vendre ici après le local tobacco shop juste là. Toc. Voilà, parfait. Ah bah petit à petit on va réussir à le liquider notre moonshine là. On en est où? 192, ouais ça y est, on est en train de le liquider, donc on va pouvoir réfléchir à agrandir la production. Ouais, je suis d'accord, c'est toujours bon à prendre une opportunité pour se débarrasser d'un petit peu de moonshine supplémentaire. Extrêmement intéressant. En attendant, on va aller voir si lui, j'ai pas terminé d'agrandir le commerce de façade, et si c'est le cas, on va... pour engrais. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Et on n'a plus de points. Par contre, on peut refaire un dernier mouvement. Donc on va le faire.
Il va peut-être falloir après qu'on commence à réfléchir, donc améliorer ça. Pour l'instant, on arrive à vivre avec un seul bâtiment, c'est plutôt cool, ça fait bien plaise. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on va non plus grandir à l'infini, quoi. Allez, on passe le tour. Ok, ici, on est arrivé. On prend la petite enveloppe. Les nouvelles compétences, c'était la production de bière, ouais, pourquoi pas. Et le commerce, on était au max. On était au max. On peut pas lui vendre du moonshine de toute façon. Ah si, un pot. $62 on paye, hein. Ça pique un peu quand même. Il faut qu'on augmente notre entrée d'argent. Pour ça, il nous faudrait un bâtiment supplémentaire. Et je pense qu'on va également réfléchir du coup à ça. On a les compétences. On pourrait trouver du blé assez facilement, je pense. Ce qui a posé problème, c'est le sirop de maïs en vrai. Parce que le sirop de maïs... Ah, on pourrait en acheter là aussi. Ça, c'est bien. Ici, ça sent la fin. On va commencer à se rapprocher de la zone discrètement. En mode... Oh, bah dis donc, mais vous vous tapez dessus. Ouais, j'aurai un point de vente en plus. Et peut-être un autre, hein. Ici c'est pas impossible qu'il y ait des trucs aussi qui s'ouvrent. Bon, on a un petit peu de moonshine à l'intérieur des véhicules, c'est pas hyper grave. Ah, la petite sauvegarde. Attends, la vache, il a regagné de la vie lui, ouais, il a dû aller se soigner en fait. Non, même pas, il a regagné de la vie en étant ici. Ah, l'enregistrement est toujours en cours, pardon, donc non, c'est qu'il n'a pas encore bougé, oui, ok, voilà. Très bien, lui il s'est barré par là-bas, donc on va aller finir celui-là, je pense. Un de nos véhicules est amoché, oh, c'est la vie, hein. On a un niveau. Augmente la performance de toute activité sous sa responsabilité. Alors vu que l'objectif c'est pas de la laisser là, je pense qu'on va prendre ce truc là. Lui il voudrait nous faire une offre. Eh ben écoute, tu nous feras une offre plus tard. On va lancer les hostilités avec elle. Ok, bah c'est le signe noir a fait le taf tout seul. La police conclut au suicide. Bah oui, complètement. De toute façon, il est mort d'une balle dans la tête, c'était forcément un suicide. On est bien d'accord. Alors du coup, on va fouiller avec elle plutôt, puisque elle peut se barrer. Oui, c'est très très bien ça. Et toi, tu récupères quelques pommes. Et si tu fouilles ça, pardon, si tu fouilles le cadavre, tu récupères rien. Ok. On va aller déposer ça tranquillement. Lui, il ira se soigner pépère avec ses 4 pommes et son moonshine là. Ouais, il a trébuché sur son pistolet, sûrement un truc. Voilà, bon, ça arrive, hein, c'est. C'est toujours triste hein, quand un pilier de la communauté comme ça malheureusement décède, mais bon. C'est la vie. C'est la vie. On va déposer ça pour être sûr de ne pas se le faire piquer. Toi ma chère, tu déposes ça, la batte de baseball, ça, la thune. Un peu de moonshine. Bon, on va en garder un peu quand même. Attends, on est remonté à 200. Les pots en grès, mais ça nous sert pas à grand chose.
Tu vas te soigner. Et Viola, on va tranquillement descendre, redescendre par là pour aller chercher des points de vente. C'est important d'avoir des points de vente. Ici d'ailleurs, on a un autre point de vente supplémentaire. On a plein de points de vente supplémentaires. On passe le tour. Hop, ici, on est remis. C'est parti. On a découvert le dynamateur, des pommes. On vend du moonshine, on vend du moonshine. Lui, il voudrait nous faire une offre. Alors, on va regarder quand même l'offre qu'il nous propose, on sait jamais. Du vent en briques. Est-ce qu'on le garde? C'est ça la question. Parce qu'après tout, on a des bonnes relations avec lui. On peut passer sur son territoire, aller chercher, vendre notre truc ici. Ça pourrait s'entendre de ne pas se débarrasser de lui tout de suite. Quand on l'aura enclavé encore, bon. Allez, je l'aime bien, il a une bonne tête, on va le laisser en paix pour l'instant. Non, petite réparation, 77, ouais, on a tout déposé. Du vent en brique, 265 pour 45 de vent en brique, ce serait rentable, hein, en vrai. Hein. Ce serait bien rentable. Donc toi, tu vas partir explorer. Et on va essayer, on va peut-être plutôt se débarrasser d'elle qui vient se balader par chez nous. On va prendre sa proposition. Hop. Toi tu nous payes, c'est bon. Et toi d'ailleurs, non, il nous vendrait pas de moonshine de toute façon. Putain, il s'est barré ce con. C'est quand même Patrick Hamer, c'est un grand criminel belge qui est le premier ministre en Belgique. Il a libéré contre rançon et aurait été au Brésil puis extradé. Et comme par hasard avant son procès, on l'a retrouvé pendu à un radiateur. Ouais, il y a des coïncidences comme ça qui sont... Ah merde, on a raté la... Ah, c'est elle qui veut nous faire une offre. Bon, ok. On a raté l'opportunité, c'est pas grave. On va rajouter ce truc-là... dans notre vente, vendre du moonshine ici exactement, et tu vas le faire juste avant de remonter, donc juste après le tobacco là de nouveau. Toc, barbershop, rose laundry, tobacco. Okay, donc il fait le tobacco, elle descend là, elle remonte ici, elle fait sa vie, c'est parfait. Nous, il va falloir qu'on trouve un nouvel endroit où s'étendre. Je pense qu'aller s'étendre par ici pourrait être une idée. Et peut-être du coup aller voir si cette personne là-bas serait intéressée par aller se faire voir. Ici, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Il peut s'étendre là, il peut s'étendre ici. On va peut-être commencer par ça. Déjà, la réparation. Voilà, hop. Et il faut 500 pour s'étendre ici. Ok, ça commence à coûter cher. Ça commence doucement à coûter cher. Faut qu'on parte par là si on veut explorer. Bah partons par là. Aime pas, il nous aime un peu, et on a une année de plus de passé. Alors on a réussi zéro objectif, on n'a pas de capitaine, on a 1% des coins de rue, profiter de l'âge d'or. Ah, on est passé deuxième en valeur totale. Ça, ça pourrait être faisable. Traitement du frais, nombre de logos de syndicats qui font affaire avec vous.
Mère en poste, on va, c'est pas tout de suite. On est passé quatrième avec notre valeur de fabrication, forcément, hein, au bout d'un moment, à force de n'avoir qu'un seul bâtiment, ça joue. Et c'est le début de la phase législative. Alors, on a 4 d'influence. Ouais, bah non, c'est mort du coup. On pourra rien faire cette année-là, mais il va bientôt y avoir les élections, normalement. Parce que c'est tous les 2 ans. Okay, très bien, parfait, parfait. On explore. Toi, du coup, t'es rendu là. Si tu veux agrandir, c'est 500 balles. Hein. C'est 400 ici seulement. Intéressant. Donc, on pourrait prendre ça. Ça nous rapprocherait. Par contre, du coup, ce truc là serait un peu moins rentable parce qu'il aurait que ce bâtiment là. Donc, on aurait plus intérêt à prendre celui-là et à faire ça. Sachant que toi, du coup, t'auras direct un bâtiment. Tu pourras aller par ici et par ici. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. En plus, t'es quelqu'un qu'on aimerait bien garder dans notre poche. Les statistiques de l'underground, c'est pas crédible. Comment ça, tu penses que les gens ne sont pas si efficaces que ça? Ou c'est le fait d'avoir des statistiques qui te paraît pas crédible? Ouh, 150 balles ici, on récupère, ça fait plaisir. Du coup, on va directement pouvoir lancer ça. En avant. Le fait d'avoir des statistiques. Ah bah après, il faut bien qu'il y ait des conditions de victoire quand même. Sinon, ça serait un peu con. Toi, tu pourrais nous ouvrir la discussion avec celui-là. C'est parti. Alors déjà, c'est quoi ta proposition ? 10 pieds de biche pour 89 balles. Ah non, c'est que jusqu'au 11 janvier. Merde, tant pis. On n'a pas ce qu'il faut. On n'aura pas le temps d'aller chercher. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais j'aimerais bien que tu me donnes... Voilà. Un petit geste. Ah ouais, non, là, 3 de mouvement. J'aurais pas le temps d'aller chercher la thune. Non, je suis obligé d'aller jusqu'ici seulement. Et ici aussi il y a un bâtiment d'ailleurs. Ah, on dirait que c'est pas terminé. Si c'est le 11 janvier inclus, on va peut-être pouvoir. On prend un petit peu de sous sur nous. On retourne là. Parce que les pieds de biche, ça peut servir pour des quêtes. Et 89, les 10 pieds de biche, c'est franchement intéressant. Bon, bah elle recevra la marchandise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va pas trop s'éloigner. On va aller par là. Passe le tour. Ici, on va lancer l'agrandissement pour 15. Oh. Pas cool. Alors, est-ce que ça a pas bugué ici? Peut-être. Peut-être, peut-être. Vu qu'on l'a fait le jour même, peut-être que ça a bugué. Le bâtiment que vous nous proposez ici, qu'est-ce que c'est? Lizzie's Irlandaise Restaurant. Il produit rien. Et une capacité, ok. Bon, c'est pas intéressant, mais du coup, il nous coûterait combien? 1200 pour rien produire? Non, ça ira. Je pense qu'on va partir chercher le bâtiment qui était par là. On a des sous, on va aller récupérer les 600 balles, et on va enfin se faire ce nouveau bâtiment. On prend un peu plus au cas où. On a aussi de quoi investir, il va falloir qu'on élimine un petit peu nos stocks. On n'a plus de mouvement. Toi, tu fais de quoi de beau dans ta vie? Hop, tu vas explorer jusqu'au bout. Tu reviens. Elle nous vend des couteaux de poche et de l'alcool. Très bien, bah écoute, parfait.
pourquoi pas. Si on veut aller jusqu'ici, il y a une rue là. Ça, c'est le seul pont qui nous permet de sortir de notre coin de la ville, donc on va quand même aller y faire un tour. Et donc ici, on va aller voir cette sympathique personne, on va y faire coucou. Un nouveau bâtiment qui produirait des fruits, c'est pas mal. 600, franchement, on prend. Trinquons un bel avenir. Et du coup, on a ce sympathique bâtiment. Deux fruits tous les 4 jours. Bon, ça va. On va s'en remettre. Alors, on pourrait faire un bootlegger de moonshine pour améliorer notre quête et vendre encore un peu plus. Un alambic d'amaretto. Des fruits à coque, du sucre, des bouteilles. C'est hyper cher. Normal. Non, mais je pense que l'alambic, c'est pas mal, hein. Améliorer ce bâtiment là et commencer à faire un petit bootlegger, je pense que c'est un très très bon plan. Il nous faut des caisses de bois. Des caisses de bois, des caisses de bois. Bon, on peut en trouver, oui, on peut en trouver bien sûr. Bah tiens, on peut même en acheter directement là. Attends, pas s'emmerder. Coucou, vous achèterez pas un petit peu de bois? 30 par caisse. Alors il faudrait quelqu'un qui nous aime bien par contre. Dans l'idéal. Oh, il y a bien quelqu'un qui va nous permettre de... Le flic, on bof, c'est pas une bonne idée. Et toi? Il y a lui. Lui nous doit une faveur. Ah, j'avais pas vu, on peut recruter une nouvelle personne, mais avant de recruter une nouvelle personne, on va peut-être... faire ces personnages là. Non, attends, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut qu'on soit apprécié de lui, enfin de elle. Ouais, je fais n'importe quoi. Je sais pas comment je suis arrivé sur lui, mais c'était une erreur. Donc toi, on pourrait faire rebondir ici, puis là, ok, admettons. Ok. Ouais, bon, on va faire ça, hein. Toi, tu connais plein de gens. Ok. On va donc partir sur toi et... Bon, là, on a une faveur, là, on a une faveur. Ah bah toi là, tiens, on va en avoir d'autres des faveurs avec toi, donc allons-y. On va récupérer la petite enveloppe. Hop, on va prendre la petite faveur. Coucou. On aimerait bien que tu améliores avec ce personnage là. Ensuite, on va le voir. Ah, ils vendent des fruits maintenant qu'on a découvert la ressource, ça c'est cool. C'est pas toi... C'est toi. Oh, attendu, c'est bordel ce truc là. Je me suis planté. Je me suis planté. Comment j'ai pu me planter? Comment j'ai pu me planter? That's the question. Toi, continue ton exploration. Ah, ça coûte 0 de traverser le pont, parfait. Il y a une petite descente de flic ici, c'est pas très grave. Donc toi, tu améliores avec ce personnage. Je sais même plus pourquoi je voulais faire ça, mais c'est pas grave. Non mais attendez, hein. J'ai un bug là, j'ai bien cliqué sur lui. Ok, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est pas grave. Je voulais juste, oui c'est ça, je voulais avoir un prix sur le bois. Bon, c'est quelqu'un d'autre vend du bois, ici. Et ici.
Ouais, c'est ça, c'était pour le bois, mais je sais pas pourquoi, je t'ai persuadé d'avoir cliqué deux fois sur lui, et visiblement j'ai cliqué deux fois sur ce personnage-là. Donc je comprends pas trop pourquoi, comment, qu'est-ce qui quoi. Non, c'était bien ça, en plus c'était marqué amélioration de la relation avec lui, mais ça a pas transmis de faveur. Un ami mutuel lui a dit du bien, mais ça a pas transmis de faveur, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a certaines conditions où ça transmet pas de faveur. C'est des choses qui arrivent. On va dire. Donc du coup, là on peut pas. Ici. Ah si, voilà. Lui, il nous permet d'améliorer avec lui. Et lui, il nous permettra d'acheter du bois. On va peut-être y arriver à un moment. Ah, on a un accord qui a expiré. Merde, un rubis. Tu vas faire baisser encore un petit peu la tension. Alors, on prend la relation, on l'améliore avec lui. Voilà. Alors, on a quelques tours pour aller recorrompre le mec. Donc là, on prend du bois, on parle du prix. Et on veut une remise. Ok. Et maintenant, on en achète. 9, c'est bien, il nous en faut 10. On le dépose là. Voilà. On en achète un autre. Un dernier. Voilà. On le dépose là. Et on a le bois. On prend la petite enveloppe, il va falloir qu'on aille voir ici parce qu'il va y avoir besoin. Non, ça va, ils arrivent à se compenser. Alors, le niveau c'est fait, et c'est avec qui que ça a expiré? Avec toi. On va donc aller chercher un petit peu de fond. Et on va s'en occuper. Et il est sur une zone inconnue, donc on ne peut pas aller le chercher malheureusement. Pourquoi cette musique? Ah ça y est, ça s'est activé, d'accord. On a un petit niveau ici. Un point d'action de plus, ça me paraît bien. Alors lui, il arrête pas de s'enfuir. Viens là. Hop, 433, ça me paraît correct. On va aller chercher ça du coup. Machine. Viola. Notre futur capitaine. Oh, d'ailleurs, on commence avec une faveur ici. Coucou. Ah, on peut acheter du blé. Bon, c'est un peu loin. Mais c'est bon à savoir. Ici, si on veut lancer notre bâtiment. Non, c'est pas là. C'est là. Si on veut lancer notre bâtiment. Le bootlegger, il nous faut juste 1000 balles. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Admettons. Il va falloir qu'on le fasse vite avant qu'elle prenne un autre niveau là. Toi, t'étais en train d'aller chercher le résultat de tes efforts. Vas-y, fais donc ça. Hop. On va l'envoyer là, 89% plein, mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors là, il y a une offre, mais on va se calmer un petit peu sur la dépense dessous, n'est-ce pas? On va aller récupérer l'argent. Je pense pas qu'on ait 1000, on a 800 seulement dans le Rubimon. Donc on n'aura pas assez. Ah non, c'est Ruby, elle a 800 sur elle. Va falloir que passe le déposer à un moment. En attendant, on va déposer ce qu'on peut déposer. J'ai été trop loin. Une fois n'est pas coutume, j'ai été trop loin. Toi. Un truc de stockage. Une scierie. Ok. On explore un petit peu ce qui nous attend ici, hein.
Il y a aussi une, toute une partie du Bronx qu'il faudra qu'on explore. Que faut-il pour que Viola monte de niveau? Bah normalement, elle gagne de l'XP au fur et à mesure qu'on fait des choses avec elle. Je sais même pas si on peut voir leur expérience d'ailleurs. Plan pillé, comme découvert. Le fait de se déplacer, de découvrir des choses, ça va la faire monter de niveau petit à petit. Tout simplement. Et du coup, je sais pas trop par contre ce qu'il faut pour devenir capitaine, je me souviens plus. Mais par contre, une fois qu'elle sera là, si elle a ces compétences-là, on pourrait par exemple la mettre là. Ou la mettre dans un autre truc, quoi. Commerce de façade saboté 2, bâtiment attaqué 2, planque pillée 6. Elle est déjà pas si mal, hein. Elle est déjà pas si mal pour aller là. Intimidation. Pour l'instant, on n'a pas trop le thème. Porte-parole. Conversation 100, policier soulevé 4, commerce de façade établi 4, ok, donc il faudrait qu'on la fasse faire le taf que fait notre capitaine, enfin notre chef. Pourquoi pas. J'aimerais cliquer sur ce bâtiment s'il vous plaît. Ok, rien d'intéressant. Toi t'as un autre bâtiment aussi. Ah oui mais tu nous aimes pas assez. Et pas mal, avec qu'on a pas mal de faveurs, on peut également recruter d'autres personnes. Donc on pourra regarder quand on aura établi notre bootlegger et mis notre gestion de bootlegger ici, s'il y a des choses intéressantes. On va passer le tour. Ok, on a récupéré un coin supplémentaire, ça c'est cool. Donc on va pouvoir commencer à travailler celui-là au corps. Est-ce que on a les sous qui sont arrivés? Non. T'as bien ton truc de pour déposer les sous, toi? Déposer tout sauf 100, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Bah, faut juste qu'elle passe par là, quoi. J'ai raté un truc. T'en es où? T'es ici. D'accord. Tu vas vendre ton truc et après tu vas déposer. T'achètes et tu vas vendre ici. Je me suis planté là. Ça va pas du tout ça. Rubis America Flower Store. C'est ça? Ouais, je me suis complètement planté. Je pensais l'avoir monté d'une case de plus. C'est censé être juste après le tobacco. Le barbeur. De tobacco, ce truc là, ensuite le Rose Laundry Service, le barber il est où? Ah oui non, j'ai fait de la merde. Le barber il va descendre, après Elia Caruso, ok voilà c'est ça. Donc elle va jusqu'au barber, elle va acheter son truc, ensuite elle va déposer, récupérer et après elle retourne vendre. Ok, c'est mieux comme ça, d'accord. J'avais un petit peu... C'est pour ça que c'était pas très efficace. Et on a découvert d'autres flics probablement là, ouais, ok. C'est pas très grave. Ouais, ma route de collecte c'était un petit peu n'importe quoi, ouais. Je suis d'accord. Normalement là c'est bon. Là on est mieux là. Après forcément hein, quand on a un seul camion, plus c'est complexe, bah plus c'est facile de faire du caca. On va pas se mentir. On va être un petit peu juste pour payer les salaires, mais si on dépose de la thune ici c'est bon normalement. On a pas mal de mouvements, on pourrait passer par là, relancer une recherche de coin, enfin un agrandissement de territoire, pardon. Hop, 15 aussi pour passer par ici. Ouais, donc il va falloir que lui là, enfin elle, on s'arrange pour qu'elle nous aime bien. Toi! J'aurais besoin d'un coup de main avec cette personne.
Voilà. Alors d'abord, c'est quoi le bâtiment que tu nous proposes? Ça doit sûrement être... ouais, c'est le truc nul là. Tu refuses mon offre. Intéressant. Je l'ai pas vu venir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas refusé une offre. Ok, très bien. Ah, les anneaux, voilà, oh là, que de souvenirs. Non mais là je sais pas, c'est moi là, je fais mes flèches trop vite et en fait, vu que les trucs s'inversent quand tu montes, j'ai dû les mélanger à un moment, c'est pas hyper grave. Hein. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode de Veodela parce qu'il est suffisamment long et que ça s'est plutôt bien passé, on s'agrandit tranquillement. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.